Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une soupe de petits pois, pamplemousse et crevettes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, des petits pois, un pamplemousse, un oignon blanc, une pomme de terre, des crevettes grises et de l'huile d'olive. Alors, le principe d'abord, c'est bien sûr de réaliser la soupe. Comme on va tout mixer ensuite, c'est pas la peine d'essayer de faire des petites tranches d'oignons qui soient trop fines. Alors, l'huile d'olive, ici, dans ma casserole, deux belles cuillères à soupe. Et on rajoute directement nos oignons qu'on va faire suer. On va déjà couper la pomme de terre. Alors, c'est pareil, c'est pas la peine d'essayer de faire exactement les mêmes tranches tout en sachant qu'on va quand même mixer. Voilà, les oignons ont sué. On va rajouter nos petits pois. Là, on va faire suer encore deux petites minutes. On rajoute maintenant la pomme de terre coupée en fines tranches. Alors la pomme de terre, on ne fait pas suer, ça ne sert à rien. Et on recouvre avec le bouillon de légumes. Voilà, on va laisser cuire une quinzaine de minutes maintenant. Pendant ce temps, on va s'occuper du pamplemousse. Voilà, on coupe jusqu'à ce qu'on arrive à la chair. On tourne, on fait la même chose de l'autre côté. Avec un bon couteau, on vient faire le tour. Regardez, on reprend en suivant la ligne blanche extérieure, c'est-à-dire celle-ci. Et alors, on a comme ça quelque chose qui est impeccable. Avec un petit couteau un petit peu plus pointu, on va passer entre les petites intercales blanches et on va venir sortir uniquement la chair, ce qu'on appelle les segments. On va rajouter nos crevettes grises. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de poivre. Là, on va mélanger le jus des pamplemousses. Ici, déjà, dans mon blender, vous prenez une louche. Vous commencez d'abord à enlever le plus gros et le reste, à ce moment-là, on peut le verser. Vous voyez, on va mixer. On verse ça dans un bol. Et la consistance est une belle consistance. Et on vient déposer notre beau mélange pamplemousse-crevette. Les possibilités sont sans limite. Réalisez vos recettes, prenez-les en photo, vous nous les envoyez et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!